Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la fabrication d'une jauge de profondeur. Une jauge de profondeur, c'est quoi? C'est ça. Ça va nous permettre de contrôler la profondeur des tenons, par exemple, ou d'un assemblage à mi-bois. Le gabarit doit être dimensionné, bien sûr, à l'assemblage que vous allez réaliser. Celui-ci est pour les petits assemblages de menuiserie et ébénisterie. Et après, vous pouvez réaliser la même chose, mais en plus gros, par exemple, pour de la charpente. Celui-ci va notamment nous servir à contrôler la profondeur des mortaises quand on testera le gabarit qui se monte sur la perceuse à colonne pour la transformer en mortaiseuse à bédane carrée. Comme ça, nous pourrons contrôler la régularité du travail avec cet outil. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve à la fin pour la démonstration. C'est parti!
Donc voilà la jauge de profondeur terminée. Il vous suffit de desserrer la vis qui est ici, de régler la profondeur souhaitée pour contrôler le fond de votre mortaise ou alors de vos mi-bois comme ici. Ça vous permet de voir en le passant dessus si tout est à la bonne profondeur. Par exemple, je vois ici, ça accroche un petit peu. Et ici, pas du tout, on est vraiment à fleur. Donc je vois par exemple qu'ici, sur ce mi-bois, je dois retravailler cette zone-là. Et dans une mortaise, c'est la même chose. Ça vous permet, de gauche à droite, de voir si vous êtes suffisamment profond. Vous pouvez avoir une partie de votre mortaise qui va être à la bonne profondeur, et une autre où ça va accrocher, où vous ne pourrez pas passer, donc vous savez tout de suite que vous n'êtes pas à la bonne profondeur, et qu'il faut poursuivre le travail de ce côté-là. Voilà, ce petit outil est maintenant terminé. Il est réalisé en chêne et en alu. La semelle et l'axe sont tous les deux en alu. À la base, je voulais du laiton, mais je n'en ai pas trouvé dans le magasin de bricolage où j'ai été. Donc, j'ai simplement pris de l'alu. La semelle est quant à elle vissée pour pouvoir être remplacée si elle s'abîme, s'il y a un accident, etc. 4 vis à retirer et je peux la remplacer facilement. Je n'avais pas de boulon molleté, donc j'ai pris un boulon et un écrou long. J'ai mis donc le boulon dans l'écrou. J'ai ajouté un peu de super glue en gel sur l'axe du boulon. Quand j'ai fini de l'amener à bonne mesure, je l'ai ensuite recoupé pour l'avoir à bonne longueur. La super glue métal sur métal, je ne sais pas du tout ce que ça donne dans le temps. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ça tenait. J'aurais pu mettre un point de soudure, mais j'avais pas envie de m'embêter avec la soudure là, juste pour un boulon molleté. Dans le coup, j'ai pris le parti d'utiliser le pointeau et de faire 3 coups au pointeau pour écraser l'axe du boulon dans l'écrou. Et comme ça, je suis sûr que ça ne bouge plus du tout. J'ai décidé aussi de ne pas mettre d'insert dans le corps de ce petit outil, mais plutôt de le tarauder, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois et que ça fonctionne extrêmement bien, vraiment. Hein. C'est un petit outil facile à réaliser. Vous pouvez le régler comme vous voulez, à bonne mesure, et contrôler vos mortaises, voir si tout est correct. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. On développe de plus en plus la chaîne et on s'approche des 3000 abonnés. C'est vraiment excellent en très peu de temps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !